Je suis une aventurière. J'ai le goût de l'aventure. Et je pense que ça m'a été transmis parce que je suis originaire du Cap Corse et je fais partie donc de la diaspora, de ceux qui sont partis à l'aventure, à découvrir de nouveaux horizons. Et moi, j'ai soif de... J'ai besoin de respirer, de découvrir. Et l'Amérique latine, oui, parce que d'abord, j'y ai des origines. Donc, j'y suis beaucoup attirée. Et j'ai eu aussi une double culture corse sud-américaine par ma grand-mère. Et j'avais envie de changer beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis allée au Mexique comme ça, sur un coup de tête. Et j'ai peint des choses différentes, oui. Surtout imprégnée de cette culture. Mais c'était très figuratif, très occidental. Donc, avec une construction très claire. Céline Lorenzi vit et travaille à Bastia, après avoir beaucoup voyagé, notamment au Mexique, à plusieurs reprises. Une rencontre avec un pays, une culture, des paysages et une spiritualité qui l'ont, dit-elle, métamorphosée. Et aujourd'hui encore, ces carnets de voyage bien remplis sont une source d'inspiration inépuisable pour cet artiste au tempérament volcanique et sensible. En fait, moi, j'ai commencé par la peinture parce que mes parents peignaient, donc... On fait un peu du mimétisme quand on est petit. Nous, on ne cherchait pas ce qu'il fallait faire. Enfin, on faisait comme nos parents, quoi. On faisait que dessiner tout le temps, hein, mais vraiment. On ne se parlait pas tellement et on dessinait tout le temps. Et c'était très valorisant pour nous, on était trois filles, parce qu'à chaque fois qu'on montrait notre dessin, on disait ah, « oui, c'est beau !» Alors on était très fiers. Donc on faisait des cadeaux, il fallait faire des dessins. Alors, ça a commencé comme ça quand même. Un jour, un ami mexicain qui est venu séjourner en Corse m'a appelé. Il a passé une semaine chez moi et il m'a appris la technique donc, de ce que je fais en ce moment, les bustes cactus qui deviennent durs comme de la pierre. Et il m'a appris, c'est une transmission orale. Hein. Donc j'ai appris ce petit secret quand même. Non, je fais pas que ce que je veux. Ça m'a aidé justement à faire ce que je veux. Parce que... Mais en fait, quand je me mets à le construire, même c'est comme si je me déconnectais. Je ne sais même pas ce que je fais. Et puis je dis, ah bah tiens, c'est... Ouais. C'est... Voilà, ça se transforme. C'est une aventure en 3D quand même, la sculpture, c'est très différent. Mais il faut beaucoup d'énergie. C'est à Bastia et dans le Cap Corse que Céline Lorenzi passera les premières années de sa vie. Puis à Paris, où elle se formera à différentes disciplines, les arts graphiques, l'histoire de l'art, elle va multiplier les expériences dans les domaines du théâtre, du mime, des arts décoratifs et du spectacle. Elle créera des costumes, des maquillages, collaborant avec différents artistes, architectes, metteurs en scène et cinéastes. Une vie riche et foisonnante avant de venir retrouver la quiétude de son île natale, pour se consacrer un peu plus à la peinture. Au fil des expositions, Céline Lorenzi affirme son style et décline son univers éclatant de couleurs pour, dit-elle, faire en sorte que le point de fuite soit dans le plexus solaire de celui qui le regarde. Maintenant, je fais une série de cactus. Et donc, moi, j'aime bien bouger, quoi. Il faut du mouvement. Donc du coup, j'ai peint un tableau, il y a écrit Moudance dessus, déménagement, j'ai peint tous mes cactus que je suis en train de faire dedans, parce que je veux le transformer, le transporter dans un monde exotique, mais aussi le mélanger à mes origines corses. Et ça va passer au travers du cactus. J'ai peint des vierges espagnoles. Et j'ai une vierge de prédilection qui s'appelle Nuestra Señora Triana, qui est la vierge des marins. Mais c'est une vierge espagnole, pas sud-américaine. Et celle-là m'a plu beaucoup. Et en fait, je fais beaucoup de portraits et je peins toujours ce visage. Je me suis rendu compte par la suite, hein, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que quand on peint un portrait, on ne sait pas ce qui se passe. C'est très étrange. Et donc, et on peint toujours le même visage. Mais on ne sait pas qui. Alors tout le monde dit, ah ben oui, on se peint soi-même. Alors c'est ce que l'on dit à l'artiste, même s'il peint les autres personnes, il y a toujours une partie de lui à l'intérieur, peut-être. Mais enfin moi, je ne sais pas, moi que je vois dedans, c'est cette vierge. L'art, c'est quelque chose de simple aussi. Donc
C'est bien de voir l'art d'une manière simple, c'est toujours conceptuel, très complètement qu'il devienne accessible, il faut beaucoup se concentrer, travailler. Alors non, il ne s'agit pas de se battre, d'avoir une idée et puis de se battre pour cette idée. Il faut en faire un musée des sentiments. Thank you.